j'espère que vous allez bien. Je commence ce deuxième vlog alors que ça fait un jour que je suis rentrée à Paris. En tout cas, j'espère que le tout premier vlog à Milan vous aura plu. Mais vraiment, je l'espère du fond du cœur parce qu'en tout cas, j'ai adoré le tourner. J'ai pas encore vraiment commencé le montage à l'heure où je vous parle puisque je suis en train de trier les vidéos qui sont mises toutes dans le désordre. C'est un bonheur. Non, c'est un peu compliqué, mais ça va le faire. Vous, en tout cas, vous l'avez déjà vu, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. C'est pas forcément hyper bien rangé derrière moi, mais il faut absolument que je cuisine en vous parlant. Tout simplement parce que ce matin, j'ai fait du montage et là, on doit partir en tournage. C'est pour ça que j'ai commencé un nouveau vlog cette semaine, parce que c'est une semaine 100% parisienne et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de me suivre, en sachant que là j'ai vraiment des tournages de reportage. Et donc on va passer l'après-midi avec Mareva qui est entrepreneuse et ça va être hyper sympa. Vlog. Je me suis levée de bonne heure ce matin parce que j'ai posté le reportage sur l'AC Milan, Lazio, mini reportage Instagram, donc sur le match de foot que j'ai vu à Milan. Je vais boire un café avec une amie, ça va nous rappeler un peu l'Italie. Je vous emmène avec moi, petit café, et ensuite dans l'après-midi on recommencera le montage, on s'y remettra après le café. J'ai retrouvé ma copine Alice. Regardez comment c'est mignon. Je suis revenue de ma petite balade, de mon petit café balade. Je me remets dans mon montage et juste ça fait vraiment du bien de se balader, de prendre l'air, même quand il fait pas beau. Au final, c'est une petite note à moi-même et à tous les gens qui sont peut-être trop sur leur table de temps en temps. Coucou! Du coup, on est dimanche. Et là, on va marcher avec ma copine Alice. On s'est retrouvé. Un pirone. Elle va faire tomber mon café là. La place des Vosges. De bonheur, je fais un peu de ménage, etc. Et je me suis mise sur le montage, j'ai fini le deuxième petit reportage, donc je suis très contente. Cet après-midi, je mets au vlog. Mais il est quelle heure quand j'ai arrêté le montage pour manger? 14h. C'est pour ça qu'il y a des fois, j'ai pas envie de me mettre dans le montage parce que je sais que je vais prendre énormément de temps. Parce qu'une fois que je suis dans le montage, je n'ai pas envie d'arrêter, j'ai envie que ça soit fait. J'ai
J'ai fait toute une journée de montage, hein, clairement, 10h, 17h39. Je suis contente parce que j'ai mon reportage qui sort demain. Donc là, je parle du reportage sur le lac de Côme. Et en fait, là, j'étais en train de monter le vlog de l'Italie. Et je trouve qu'il est très timide. Mon objectif avec ces vlogs, c'est que vous puissiez apprendre à me connaître. Et je pense que j'avais très peur de faire ce premier vlog. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira parce que ça sera mon premier vlog, mais ce sera pas le dernier. On va aussi aller laver mes vêtements. Eh bien, il fait beau. Aujourd'hui, le soleil est de retour. Du coup, j'ai décidé que j'allais marcher ce matin. C'est hyper paisible. Et donc je me rends sur le café. Couché sous la lune, es-tu là? Mon silencieux. Pas de gâchis. Je me suis mouché le nez dans ma main. Pas de gâchis. Ça va être mieux. Puisque toute bonne chose a une fin, il est temps pour moi de vous dire au revoir, de vous remercier, merci d'avoir suivi ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, c'est très différent de Milan. C'est mon quotidien à Paris en ce moment, parce que mon quotidien quand je suis à l'école est quand même très différent. Vous allez très vite retrouver un nouveau reportage, et voilà, je m'en vais pas bien loin de toute façon. Des gros bisous, à bientôt. Bisous, bisous. Bye. Stay slow.